bienvenue dans ce premier tuto vélo où on va apprendre à gonfler des pneus. Alors, il faut savoir deux choses. C'est qu'on a deux types de pompes, hein, les pompes à pied et les pompes à main, et qu'on a aussi deux types de valves, les valves Schrader et les valves Presta. Bon, il y en a d'autres, mais c'est les plus courantes en France. Les valves Presta, c'est celles que vous avez trouvées sur la plupart des vélos électriques, comme c'est de ça qu'on traite, c'est les premières que je vais vous montrer. C'est très simple, elles sont doublées d'un capuchon, donc il faut enlever un capuchon. Et ensuite, on va dévisser la valve. Et si vous appuyez dessus, vous voyez qu'elle relâche de l'air. Je vais libérer un peu d'air pour vous faire la démo. Maintenant, il y a deux choses à savoir. La première, c'est à quelle pression vous devez mettre votre pneu. C'est souvent écrit sur la tranche du pneu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la lampe torche de votre smartphone parce que c'est écrit en noir sur noir et généralement, on n'y voit rien. Et vous allez trouver, il y a écrit pression recommandée 2 bars, pression maximale 4 bars. Je conseille, si vous n'avez pas trop d'idées entre 2 et 4, de faire la moyenne, de mettre à 3. Moi, je mets souvent à 3,5 parce que j'aime bien avoir des pneus durs. Mais voilà, ça, c'est après, c'est un choix. C'est une question de confort, c'est une question de terrain aussi. Vous ouvrez la poignée, vous mettez la valve à l'intérieur, il y a un peu d'air qui s'en va, c'est sûr, et vous refermez la poignée pour que la pompe soit bien attachée à votre valve. Et du coup, je peux me mettre à pomper. On va monter jusqu'à 3,5 bars et je vous conseille de monter un tout petit peu plus que ce que vous voulez pour une raison simple, c'est que quand vous allez enlever votre poignée côté valve, eh ben, il y a un peu d'air qui va s'en aller. On enlève, on tire. Je n'oublie pas de revisser la petite valve Presta. Je remets son capuchon et là, mon pneu est gonflé. Très personnellement, je vous conseille de vérifier la pression de vos pneus à peu près tous les mois, si ce n'est toutes les deux semaines, pour avoir vraiment une pression optimale parce que qui dit des pneus bien gonflés, dit des pneus qui crèvent moins. Sur les valves Schrader, c'est à peu près la même chose, c'est tout aussi simple. Et je vais vous montrer comment ça marche avec une pompe à main. Pareil, hein, vous repérez la pression que vous devez mettre dans le pneu, vous repérez la valve, vous dévissez le capuchon, il n'y a qu'un capuchon sur les valves Schrader. Et vous prenez le côté qui peut appuyer sur l'embout de la valve Schrader. Hein. Donc c'est souvent un côté avec une petite croix au milieu qui va servir à appuyer sur l'embout et à faire passer l'air. Donc surtout, le plus important quand vous avez une pompe à main, c'est de bien visser votre pompe. J'entends que de l'air passe, je serre encore, l'air ne passe plus, et là, ma pompe est correctement accrochée. Quand je pompe, je m'aperçois que le pneu est en train de gonfler. Donc, il y a moins de précision sur une pompe comme ça, mais si vous avez un pneu dégonflé en pleine nature, évidemment que c'est ce qui va vous sauver. Donc voilà, là je sens que le pneu est en train de gonfler, hein. Il faut le faire un peu au doigt et au feeling. Vous dévissez le plus vite possible. Vous revissez simplement le capuchon de base. C'est aussi simple que ça. Donc avec une pompe à pied ou une pompe à main, vous pouvez faire la même chose. La pompe à pied est beaucoup plus précise et c'est celle que je vous conseillerais d'avoir chez vous et celle-là toujours dans votre sac quand vous faites du vélo. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et d'envoyer ce tuto à toutes les personnes de votre entourage qui ne sauraient pas comment gonfler leurs pneus. Moi je vous dis à bientôt, bye!